Ça se tend. Ah. Qu'est-ce que tu Je sais pas. Ah. Allez. Allez. Ça marche? Allez, allez, il manque un S à mon péripétie. Pas bon, je vois rien. Tu vois quelque chose? Alors, fais-je ta page? Les gens sont complètes de bois. Moi, je ne vois rien. Est-ce que vous me voyez ou est-ce que vous m'entendez? Dites-moi. Dites-moi parce que là, moi, je suis totalement dans le blackout. Je suis dans le noir total. Chose que je n'aime pas du tout. Moi, j'aime bien contrôler et savoir ce qui se passe. Et là, rien. Thierry, tu me vois? Et tu vois les gens qui disent qu'ils me voient ou pas? Ah, mais c'est fou. Pourquoi moi, je vois rien? Je suis pas contente. Attendez, j'arrive. Vas-y, règle-moi le souci. Et me casse pas mes sacrés. Eh bien, coucou tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver. Je n'ai pour l'instant pas de retour. Ça va venir par la suite. Donc, je ne vois absolument pas ce que vous m'écrivez. C'est le plaisir des lives et du direct et de tous les soucis que l'on peut rencontrer. Surtout que c'est le premier live que l'on fait avec MyCake. Voilà, autant des lives, j'en ai fait pas mal en faisant des concerts, autant c'est la première fois pour de la pâtisserie. Donc voilà, je tatillonne un peu. Je n'ai pas l'habitude non plus de ces logiciels et de tout ce qui se passe. Ça y est, j'ai un retour visuel. On voit bien et on entend tout. Génial. Alors, il faut que vous sachiez que quand vous m'écrivez, quand je vous réponds, il y a une latence de une quinzaine, une vingtaine de secondes. Donc ne vous étonnez pas si vous m'écrivez et que lorsque je vous réponds, vous n'entendez la réponse que une demi-minute après. C'est normal. C'est le principe de tous ces logiciels de live. En général, ça se passe comme ça. Hein. Je ne me trompe pas, chérie. Hein. Nous avons donc Jérémy, mon chéri à côté. Chéri, dis coucou. Coucou. Voilà, nous avons également le chat qui est juste à côté et qui passe son temps à râler, donc vous risquez de l'entendre pendant la soirée. Et les enfants, par contre, sont couchés, donc ça devrait... Je touche du bois. Donc, comment est-ce que vous allez tous? Non, Jean-Philippe, ce n'est pas steak compote ce soir, nous allons faire des cookies. Est-ce que tout le monde va bien? 21h04, nous sommes... 355, waouh, ouf, incroyable! Je suis super contente pour un début de live, c'est super! Eh bien écoutez, comment va se passer ce live? J'ai envie de dire un petit peu à tatillon, comme,
comme on peut, on va se lancer dans la recette. Vous la faites avec moi si vous pouvez. Je vous ai mis exprès les ingrédients et le matériel au préalable sur la page Facebook, par mail et sur la chaîne YouTube également pour que vous puissiez tout avoir au préalable. Le principe, ce serait de faire un live tous les jeudis soirs à 21h toutes les semaines. J'espère m'y tenir, hein, y a pas de raison, hein, on va y arriver. Et donc, à chaque fois, je vous mettrai les ingrédients et le matériel au préalable. Là, ça s'est fait aujourd'hui, dernière minute. Je vous avoue que ça fait une semaine que Jérémy me tanne à faire des lives et j'ai accepté mardi, avant-hier. Voilà. Parce que depuis, je disais, oh non, non, j'ai peur, je ne sais pas, j'aime bien maîtriser les choses. Puis, quand je suis dans ma maison, quand je me trompe, je peux couper la caméra, recommencer. En live, je ne peux pas. Et bah, je me suis quand même fait à l'idée, j'ai fait, allez, on essaye. Si ça ne marche pas, bah tant pis. Et si ça marche, ça va juste être trop cool. Coucou de la Corse, coucou tout le monde. Super, ouais, bon bah écoutez, je suis ravie que l'idée vous plaise. Ils sont où les cookies? Ils arrivent. J'ai envie de dire, il y en a déjà quelques-uns par ici que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'aurai double dose. Je ne pense pas que ça ne va poser un souci aussi bien à Jérémy qu'à mes enfants. Et donc voilà. Eh bien, si on commençait à pâtisser, hein? Si on commençait avec la recette. Alors, pour un premier live, j'avoue très honnêtement, j'ai voulu faire du simple, du rapide, du sûr. Et les cookies aux pépites de chocolat, c'est une recette que je dois faire au moins une fois par semaine pour les goûter de mes enfants et de mon chéri. Donc, ça, normalement, je ne devrais pas les louper. Alors, je vous montre, nous avons comme ingrédients 75 g de beurre demi-sel. Pourquoi du beurre demi-sel plutôt que du beurre doux? C'est parce qu'en fait, le sel, c'est un exhausteur de saveur. Donc en pâtisserie, c'est très très important. D'ailleurs, vous devez souvent le voir que dans les recettes, on dit mettez une petite pincée de sel. Ben, moi, plutôt que de mettre une pincée de sel, j'utilise souvent du beurre demi-sel. Alors, je n'arrive pas à voir les nouveaux commentaires. Je vais descendre ça. Oh, il y a ma maman. Coucou maman. Il y a ma grande sœur. Ouh, il y a tous les copains. Ça fait plaisir. Hop, voilà. En tout cas, vraiment, merci à vous d'être là. Je suis absolument ravie de voir qu'il y a autant de monde pour venir faire la cuisine avec moi et partager ce moment ensemble. La Normandie, la Corse, le 93, vraiment, il y en a partout. C'est un peu flou. C'est possible qu'il y ait un souci de connexion Internet de mon côté, de votre côté, entre nous, je ne sais pas. C'est vrai qu'on est dans mon studio, à savoir que l'on est au sous-sol de ma maison. Alors, on a accès quand même au jardin, mais la connexion n'est peut-être pas incroyable. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier live. On fait vraiment les tests techniques, on va essayer de faire le paramétrage. Si on voit par la suite que ça ne va pas spécialement mieux, on essaiera de trouver des solutions avec des clés 4G ou je ne sais quoi. En attendant que la 5G arrive par ici, ouh, on a le temps, hein? Si on avait déjà la fibre, ce serait cool. Donc, je reviens sur nos ingrédients. Nous avons donc 75 g de beurre demi-sel. Nous avons ensuite 75 g de sucre en poudre. Alors, j'utilise du sucre en poudre tout simple, du blanc. Vous pourriez tout à fait utiliser de la cassonade ou de la vergeoise, comme on le fait très souvent dans les recettes de cookies traditionnelles. Vous pourriez aussi remplacer une partie du sucre en poudre par du sucre vanillé. Ça, je le fais très souvent et c'est très très bon. Par contre, remplacez une quantité. Donc, vous pesez le poids, hein, vous n'en rajoutez pas en plus. Il y a déjà largement assez de sucre dans tout ce qu'on mange, donc allons-y mollo. Ensuite, nous avons 50 grammes d'œufs. Alors, 50 grammes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me font la remarque de savoir pourquoi je mets mes œufs en grammes. Alors déjà, il faut savoir que c'est pesé sans la coquille. Les 50 grammes, c'est une fois qu'on l'a cassé. Pourquoi je les pèse?
Parce que si vous prenez un petit œuf, il pèsera environ 40 grammes. Un œuf moyen, c'est 50 grammes, donc c'est ce que j'utilise là. Un gros œuf, c'est 60 grammes en moyenne. Et si vous allez chercher des œufs à la ferme, il m'arrive parfois d'avoir des œufs qui pèsent 80 grammes. Donc imaginez, si je vous dis de mettre 3 œufs. S'il y en a qui pèsent 3 petits œufs, ça nous fera du 4 x 3, 120. Wouhou ! Et s'il y en a qui prennent des œufs de la ferme, nous aurons 4 x 8, 24, beaucoup plus, 240. Je ne suis pas trompée. Donc voilà, c'est pour ça que j'indique mes œufs en grammes. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas les commentaires au fur et à mesure ? J'adore tes recettes, je suis devenue pro grâce à toi, Cathy. Waouh ! Je suis super contente. Wow, j'adore ce genre de message, ça me touche très profondément. J'ai vraiment créé MyCake parce que je voulais partager mes recettes, mes connaissances. Excusez-moi, c'est pas très modeste, mais voilà, j'adore partager toutes mes recettes, mes astuces, mes techniques. Dès que j'apprends quelque chose, enfin, je trouve ça génial, j'adore le partage. C'est pour ça que d'ailleurs, dans toutes mes recettes, mes vidéos et tout, je vous demande toujours de me laisser des commentaires. Ce n'est pas pour une question de référencement, de pub ou quoi. C'est vraiment que j'adore partager. J'ai créé MyCake pour ça, pour qu'on fasse des échanges, que vous me disiez comment vous aimez manger vos gâteaux, quel est votre petit secret à mettre dedans pour que ce soit super bon. Je ne sais pas, une petite pincée de poivre, je ne sais pas, un petit peu de zeste, n'importe quoi, voilà. Donc, si... le fait que j'ai créé MyCake vous aide à vous lancer déjà, vous débutant, parce que je fais tout pour bien détailler. Je sais que des fois, je blablate beaucoup. Mes textes peuvent être très longs, mes articles, je ne sais pas si vous avez vu l'article et la vidéo du macaron, ça fait un bras de longueur. Mais c'est comme ça qu'on avance en pâtisserie, parce qu'il y a plein de petits détails et de petites techniques. Autant en cuisine, on peut prendre un petit peu de truc, rajouter, goûter, tester, accommoder. En pâtisserie, on a souvent besoin de réactions chimiques. Et pour ça, il n'y a pas photo. Il nous faut une balance pour peser nos ingrédients et faire ces réactions. Vous prenez du beurre, un œuf et du sucre. La manière dont vous allez les utiliser, si le beurre il est fondu ou pommade, si votre œuf il est monté, clarifié, séparé, battu ou juste mélangé. Votre sucre, vous pouvez en faire du caramel ou pas. C'est vraiment de la chimie. C'est pour ça que je vous fais des articles très détaillés. Et donc, tout ça pour dire, Cathy, tu es devenue pro grâce à moi. Non, grâce à toi. C'est toi. Et je t'ai aidée là-dedans et je trouve ça génial. Je suis super contente. C'est une super aventure. Ça me fait trop plaisir de savoir que j'ai pu t'aider à te lancer là-dedans. C'est génial. Alors, ensuite, parlons du... Ah non, mais j'ai pas fini. Donc, le beurre, le sucre, l'œuf, c'est fait. Vous avez ensuite 150 g de farine de blé. Alors là, c'est la farine que vous trouvez en commerce, hein, T45, T55, comme vous préférez. C'est la farine fluide trouvée en commerce, basique, de blé. Nous avons ensuite un demi-sachet de levure chimique. Donc, c'est environ 5,5 grammes en général si on prend les sachets qu'on a d'habitude. Ah, attention, dans cette recette, ne mettez pas un sachet entier. Ça m'est arrivé une fois de me tromper, de parler à mes enfants et de faire fiop, et là de faire ah mince, oh c'est pas grave. Si, à la dégustation, c'était vraiment pas bon. Ça se sentait, c'était acide. Ça ne fait pas du tout plus lever les cookies, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, mettez bien un demi-sachet, c'est largement suffisant. Et enfin, 150 g de chocolat noir. Et avec tout ça, on va faire 16 cookies d'environ cette taille-là. Pas photo. Vous pouvez voir, 16 cookies comme ça. C'est assez généreux quand même. Vous pouvez en faire des plus petits. Moi, j'aime bien quand ils sont gros. Voilà. Chérie, est-ce que tout se passe bien ? Tout va bien. Tout va bien, super. Moi, les commentaires, ils ne se mettent pas à jour au fur et à mesure, donc ça ne descend pas. J'ai du mal à voir. J'ai pu préparer des gâteaux pour ma princesse. Ah, génial, je suis contente. Je me suis lancée dans la pâtisserie grâce à vous. Génial. Hop.
On suit depuis le Jura, mon papa. Coucou. Oh, je vous ai aidé et tout. Oh, ça me fait plaisir de lire ça. Comme quoi, enfin, je travaille pas pour rien. Vraiment, je suis là pour vous aider. Je suis super contente. Vous ne pouvez plus vous passer de ma calculette. Ah, c'est super. Pour ceux qui ne connaissent pas, la calculette, ce sont des outils que l'on a développés avec Jérémy, qu'on a mis sur le site et qui vous permet de pouvoir faire le calcul de mes recettes et même de vos propres recettes pour vos propres moules. Parce que sur chaque recette, principalement celle de Cake Design, je mets pour des moules ronds, des moules carrés, de taille qui font 10, 15, 20, 25, 30, 35 cm. Mais vous, peut-être que vous avez un moule rectangulaire de 17,5 sur 23,2 sur 4,7 de hauteur, que sais-je. Et donc, comment savoir quelle quantité d'ingrédients prendre? Eh bien, c'est facile. Vous allez sur les calculettes. Et on a fait donc mis en place plein de formules et ça vous donne aussi bien la quantité d'ingrédients que votre temps de cuisson. Ça, j'ai galéré pour faire la formule mathématique pour le temps de cuisson. Elle n'a pas été facile. Mais franchement, après études thermiques et tout, on a trouvé et ça marche plutôt bien. Eh bien, lançons-nous dans la recette des cookies, j'ai envie de dire. Hop! J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi généreux que toi, Jessica Bibi. Merci, merci. Je ne sais pas quoi dire. Faut arrêter de m'écrire des commentaires comme ça, sinon je pleure en live. Mes proches peuvent vous le dire, j'ai la larme à l'œil très facile, je peux vite pleurer. J'ai trop d'empathie, je suis assez émotive, donc faut pas m'écrire ce genre de choses. Pas en live, hein? Voilà, si vous me le faites à côté, comme ça je pleure toute seule sur mon écran, mais en live, ne me faites pas ça. Allez. J'ai réalisé le gâteau de mariage de ma fille. Bon, j'arrête de lire. Oh, merci. Je suis contente. Je suis contente de vous aider. Vraiment, c'était le but de My Cake et c'est cool. Allez, on passe au matériel, sinon je ne vais pas avancer. Pour le matériel, il nous faut un saladier pour mélanger toute notre préparation. Il nous faut une fourchette. C'est une des seules recettes où j'utilise une fourchette quasiment. En général, j'utilise toujours une Maryse ou un fouet ou une spatule, mais rarement, rarement la fourchette. Mais pour le coup, ça marche très bien pour les cookies. Un tamis pour tamiser la farine et la levure. À quoi ça sert? Alors, j'appelle ça un tamis. Ce n'est pas un tamis, ça. C'est une passoire. C'est une passoire avec des mailles très fines. Un tamis, normalement, c'est rond, c'est plat, ça permet d'affiner les préparations. Je n'en ai pas, j'avoue, j'en ai pas. Ça s'utilise beaucoup en cuisine, je n'en ai pas. J'utilise ma passoire qui fonctionne très très bien. On peut aussi utiliser un chinois qui est une passoire du même genre, sauf que c'est en cône, en forme de chapeau chinois. Mais donc voilà, quelque chose pour passer sa farine et pour avoir des petits grains tout fins, pour pas avoir des gros morceaux. Ensuite, une planche à découper. Alors ça, ce sera pour votre chocolat avec un couteau. Si jamais vous n'utilisez pas des petites pépites de chocolat déjà achetées dans le commerce. Ensuite, il nous faut une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, du papier cuisson par-dessus. Hop. Et enfin, un four. Ben oui, là pour le coup, si vous n'avez pas de four, je suis navrée, vous ne pourrez pas faire de cookies. Par contre, vous pourrez faire de la cookie douse. Excusez-moi mon anglais. À savoir la pâte de cookie. Il y en a plein qui adorent manger la pâte de cookie crue comme ça. J'avoue, ma fille, quand je fais des cookies, souvent, elle vient en manger un petit peu et tout. Donc pourquoi pas? Mais le mieux, c'est quand même d'avoir un four pour faire cuire ses cookies. Et ben si on se lançait, alors tout d'abord, chérie d'ailleurs, je vais te lancer une mission. Il vous faut préchauffer votre four à 200 degrés Celsius. Désolée, j'ai pas l'équivalence en Fahrenheit. S'il y en a qui sont en Fahrenheit, je vous laisse faire la conversion directement sur Google. Ah, je vois Jérémy taper direct sur le PC. Il va nous sortir la correspondance tout de suite. Donc, 392. Donc 392 degrés Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Et en convection naturelle, si possible. La convection naturelle, ce sont les résistances en haut et en bas.
Vous savez ce qu'on appelle le four normal, quoi, le classique, avant qu'on ait tous la chaleur tournante qui propulse l'air. Pourquoi ? La convection naturelle, c'est quand même très pratique quand on fait des pâtisseries, parce que ça nous permet d'avoir une cuisson assez uniforme. Pour les gâteaux, c'est génial. La chaleur tournante, ça a pour principe... Alors, c'est génial la chaleur tournante, c'est quand on a plusieurs choses à faire cuire dans le four, parce que la chaleur se... va vraiment tout partout. Notamment si on a deux étages, ça c'est top, il faut de la chaleur tournante, parce que si vous avez deux étages, bah, la résistance au-dessus et en dessous, celle d'en bas, elle ne pourra pas atteindre ce qui est au-dessus, celle d'en haut, elle ne pourra pas atteindre ce qui est en dessous. Donc pour ça, la chaleur tournante, c'est super. Mais la chaleur tournante, ça a tendance à assécher les gâteaux, les préparations, enfin tout ce que vous faites cuire. Donc si vous n'avez qu'un four à chaleur tournante, baissez de 10 degrés Celsius, je n'ai pas le Fahrenheit, baissez de 10 degrés Celsius la température de votre four, mettez-la à 190 degrés Celsius. Mais si vous avez la convection naturelle, 200 degrés Celsius. Nous allons commencer par faire fondre notre beurre demi-sel, les 75 grammes. Il est 21h21, je commence seulement la recette, je vous prie de m'excuser, je suis une véritable pipelette. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte souvent, si vous ne vous en êtes pas déjà rendu compte dans mes articles, dans mes vidéos, et mes proches, eux, ils le savent bien. Hein. Donc voilà, on met le beurre et on met 30 secondes au micro-ondes. Et on va regarder ce que ça fait. Hop. Alors, petite précision, quand on fait fondre du beurre, pour la pâtisserie du moins, le but, c'est que le résultat soit jaune opaque. On ne veut pas quelque chose de translucide. Si c'est translucide, le beurre, il est trop cuit, on perd ce bon goût de beurre pour nos pâtisseries. Vraiment, le but, jaune opaque. Je vais vérifier mon micro-ondes pour ne pas faire la bêtise de le faire trop cuire. Hop, encore un peu. Chérie, est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu vois des questions que je ne verrai pas puisque je suis... Je n'ai pas de four, j'essaierai dans une marmite, Arlette. Ça ne va pas être facile de faire cuire les cookies dans une marmite. Si jamais vous y arrivez, je veux une photo. Il faut m'envoyer une photo. jessica@mycake.fr, je veux voir ça. Cookie à la marmite, je suis sûre que ça peut être un super article à faire par la suite. Alors, notre beurre. Voilà, le beurre est fondu. Il nous reste des tout petits morceaux. Je ne sais pas si vous voyez. Il reste des tout petits morceaux, c'est pas grave, vu la quantité. Voilà, on a juste à délayer un tout petit peu et ça se fait. Et donc, si vous le voyez bien, il est jaune opaque, il n'est pas transparent. C'est comme ça qu'on garde le bon goût du beurre. Si jamais je le laissais refroidir, il figerait, plus ou moins. Il y aura un petit peu de liquide en dessous, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Ensuite, je regarde ma recette. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis, j'ai dû faire cette recette au moins 1000 fois. J'exagère, mais par principe, je me sens obligée de regarder ma recette. Donc, nous allons rajouter les 75 g de sucre en poudre. Touf ! Tout simplement. Hop ! On va mettre ça là. J'aime bien avoir un plan de travail propre. Quand on travaille, c'est agréable. Dès qu'on a fini un truc, on le met de côté. On fera la vaisselle après. Mais au moins, comme ça, c'est clair. On sait ce qui reste. On ne s'éparpille pas. On n'oublie pas d'ingrédients, surtout. Ouais, oui, pardon. N'hésitez pas à préparer vos pesées au préalable. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on commence la préparation... Alors, pour les cookies, ce n'est pas trop la peine. C'est une préparation qui peut être assez rustique. Mais de manière générale, la pâtisserie, c'est bien enchaîné. Par exemple, si on est en train de monter en neige les blancs, la crème fouettée ou quoi que ce soit, il ne faut pas que ça retombe. Donc, on n'a pas le temps d'aller peser sa farine, d'aller chercher sa plaque, d'aller faire son truc et tout. Préparez tout. Vous voyez, moi, j'ai tous mes ingrédients, j'ai mon matériel qui est déjà tout prêt. Quand on a fini d'utiliser, hop, on met de côté, on n'en a plus besoin. On sait ce qui reste, on n'oublie rien. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans Le Meilleur Pâtissier, ça arrive plein de fois où ils disent « Mince, j'ai oublié de rajouter le sucre ou le truc. » Moi, je ne veux pas, ce n'est pas possible. J'ai tout devant. Bon, j'ai pas le stress comme eux, hein, de la compétition et tout. Mais néanmoins, avec ça, normalement, on n'a pas trop de soucis pour oublier des choses. Coucou cousine, on se voit depuis la Suisse. Coucou les cousins!
Bonjour à tous, merci de vraiment de nous rejoindre, c'est génial. On est 360, c'est super. Peut-on utiliser un robot? Alors, oui, on pourrait, mais concrètement, entre laver ça ou ça en version gros et laver un bol ou une fourchette, moi je préfère de loin le faire avec le bol et la fourchette. Hein. Ça, c'est beaucoup plus simple à nettoyer, c'est plus rapide. J'ai la chance d'avoir un lave-vaisselle. Hop, ça va dans la vaisselle du quotidien, c'est très très bien. Mais si vous voulez utiliser un robot, il n'y a aucun souci. Vous l'utilisez avec la feuille. Alors, une feuille, qu'est-ce que c'est? Bonjour toi. Oh, excusez-moi pour le bruit. Une feuille. Une feuille, c'est ça. Quand on a un robot pâtissier, on a souvent, vous permettez, hein, je vous l'ai dit, je suis une pipelette, hein, je vous parlerai de tout dès que vous me poserez des questions. On a souvent plein d'ustensiles. Nous avons les feuilles plates qui nous permettent donc de mélanger. C'est bien quand on veut incorporer par exemple de la farine pour pas trop la maltraiter. En général, dans les gâteaux, on essaie de pas trop mélanger quand il y a la farine, sinon ça rend la préparation élastique. Donc la feuille, si vous faites des cookies, ce sera bien. Nous avons souvent un pétrisseur. Ça peut être aussi bien pour la pâte à cookies, mais bon, on l'utilise plutôt quand on veut faire de la brioche, de la pâte à pain, de la pâte à sucre. Si vous faites une pâte à sucre maison, ça, dans le robot, c'est génial, parce que sinon, ça fait mal aux mains. Et nous avons ensuite bon, l'éternel. Je n'arriverai pas à enlever. Voilà. Le fouet. Le fouet, très pratique quand on veut foisonner notre préparation pour faire monter des choses et incorporer de l'air. Voilà pour les petites explications de nos ustensiles de robot pâtissier. Ta 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 ta. Alors, coucou de l'Afrique du Sud et coucou! Oh là là! On est suivi du monde entier. Oui, Afrique du Sud, ça va, il n'y a pas trop de décalage horaire normalement. Parce que j'ai eu un message de quelqu'un de La Réunion tout à l'heure. Je continue à mélanger, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un message de La Réunion. Malheureusement, eux, il est minuit chez eux. Mais bon, j'ai deux enfants en bas âge. Shanna de 6 ans et Charlie de bientôt 2 ans, 31 décembre. Et je peux pas le faire plus tôt. Et quand ils rentrent de l'école, il faut faire les devoirs, le bain, le repas, jouer avec eux, leur dire des histoires. Donc malheureusement, avant qu'ils soient assez grands pour pouvoir s'occuper d'eux tout seuls, je ne pourrai pas faire de live plus tôt, j'en suis désolée. Bon allez, on va continuer dans la recette. Donc, on a fait fondre notre beurre, on a ajouté notre sucre, on va prendre la farine et la levure et on va les mélanger ensemble. Pourquoi? Alors ça, c'est parce que la farine, il y en a souvent en très petite quantité. J'ai pas mis, il fallait une cuillère, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez prendre d'autres choses, hein, mais voilà, je mélange à la cuillère, c'est plus simple. La farine est en très petite quantité. Or, on a besoin qu'elle soit bien incorporée dans la totalité de notre préparation. Donc, je dis préparation. Des fois, je vais utiliser le mot appareil. On dit il faut que l'appareil soit fluide, homogène ou quoi. Un appareil, ce n'est pas un robot. En pâtisserie, un appareil, c'est le nom qu'on apporte à la préparation. Ceci est un appareil avec du beurre, du sucre actuellement. Donc, si vous m'entendez dire appareil ou si vous le voyez dans mes articles ou mes vidéos, ne soyez pas surpris en vous disant bah, c'est trompé, pourquoi elle parle d'appareil alors que voilà. Eh bien, un appareil, c'est ça. Et donc, pour que l'on ait de la levure partout de manière homogène dans notre appareil, le mieux, c'est de mélanger cette levure à la farine qui, elle, va bien s'incorporer absolument partout. C'est pour ça que toujours, je vous dis, incorporez votre levure à la farine au préalable. La mettez pas après comme ça dans la préparation. Surtout que si jamais vous avez des petits morceaux, des petits grumeaux de levure qui ne s'en vont pas bien et qu'après vous avez la dégustation, c'est vraiment pas bon. C'est acide, c'est. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas bon. On te demande comment fais-tu pour que la pâte soit de chocolat? Comment est-ce que je fais pour que la pâte soit au chocolat, la pâte des cookies au chocolat? C'est très simple. La farine, vous en enlevez 25%,
Et vous remplacez ces 25% de poids de farine par du cacao amer. Et si vous voulez même encore plus de gourmandise, vous pouvez ajouter à peu près 5% de chocolat fondu à la fin. Mais bon, sinon le principal, vraiment, c'est remplacer 25% de farine par du cacao amer. Donc, on a mélangé notre préparation. À présent, on va prendre le chocolat noir. Alors, là, je vous ai pris, en fait, ce sont des tablettes de chocolat que j'ai concassées moi-même. Comment on fait ça ? Vous prenez votre planche à découper, vous mettez votre chocolat dessus, vous prenez un gros couteau, mais genre le couteau, vous savez, le couteau de boucher, quoi, le gros. Si vous prenez un petit couteau, vous allez avoir du mal et puis ce sera petit à petit, ce sera long, ça va faire mal aux mains. Prenez un gros couteau, vous vous mettez au-dessus et puis vous mettez la main par-dessus hein, pour ne pas se couper. Et vous cassez comme ça votre tablette, vous retournez, vous faites dans l'autre sens. Le but étant d'avoir des gros morceaux comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Gros morceaux de chocolat. Pourquoi je vous conseille de faire ça ? On peut acheter des pépites de chocolat dans le commerce. Mais les pépites, j'en ai en haut, bon, c'est pas grave, vous voyez ce que c'est, elles sont toutes petites. Puis après, dans le cookie, ça fait des tout petits morceaux de chocolat. Et quand ça fond, ça fait un tout petit truc. Alors que là, si vous avez ça, que vous mangez votre cookie tiède et que vous tombez là-dessus, oh, ce gros morceau de chocolat fondu là, c'est juste que du bonheur. Alors, ils vendent maintenant dans les commerces, ils vendent ce qu'on appelle des chocolate chunks, je crois. C'est des chunks, voilà. C'est des plus grosses pépites de chocolat. Elles sont toujours trop petites à mon goût. Mais c'est vrai que c'est quand même un côté pratique. Et ce qui est génial, c'est que là, je vous ai pris du chocolat noir, mais vous auriez pu prendre du chocolat au lait. Dans quel cas, je vous dirais de baisser un petit peu la quantité. Non, chocolat au lait, vous restez dans les mêmes proportions. Vous pouvez prendre du chocolat blanc ou du chocolat blond. Là, baissez un petit peu la quantité de sucre parce que dans le chocolat blanc et blond, on a quand même un apport de sucre beaucoup plus important. On a aussi un apport de graisse, mais bon, changez pas la quantité de beurre. Restez sur la même. On peut utiliser aussi des petits morceaux de caramel au beurre salé pour les cookies. Ça, c'est super bon. Y en a qui mettent des petites mini guimauves. J'ai jamais testé, mais ça doit pas être mal non plus. Du dain, oh oui, bah oui, du dain, c'est trop bon. Oh, mais oui, ce genre de petites gourmandises, c'est trop bon. Des fruits séchés, mettez du raisin, des bêtes goji, des morceaux d'abricots séchés en petits morceaux, des noix de pécan, des noix classiques, des noix de macadamia, enfin, des pistaches, pourquoi pas. Enfin, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Vraiment, le cookie, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment l'adapter à tous les goûts. C'est une recette de base classique qu'on peut totalement aromatiser à volonté. Comme beaucoup de recettes de pâtisserie d'ailleurs. Comme vous le voyez souvent quand je vous présente une recette, j'aime bien vous proposer la version nature, la plus simple. Et après, je vous dis comment l'aromatiser. Comme ça, chacun fait à sa sauce et en fonction de ses envies. Donc, est-ce qu'on peut utiliser du beurre végétal ? Oui, tout à fait. Tout à fait, vous pouvez utiliser du beurre végétal sans aucun problème. Le problème, c'est que si jamais vous faites ça dans un but de faire un cookie vegan, il faudra aussi remplacer l'œuf. Et alors là, pour remplacer l'œuf dans un cookie, j'ai écrit tout un article là-dessus sur comment remplacer l'œuf dans la pâtisserie. Souvent, on peut utiliser par exemple de la banane. De la compote de pommes, ça marche bien aussi. Dans un cookie, c'est une bonne question. Je me demande, on peut faire aussi des fois avec du tofu soyeux. C'est à tester avec de la compote, ça doit bien marcher, je pense. Parce que moi, des fois, je fais des petits muffins avec des flocons d'avoine et de la compote, et ça me remplace mon œuf dans la tenue et tout. Mais en tout cas, aucun souci à utiliser du beurre végétal. On a notre beurre fondu, on a notre sucre dedans. On va à présent rajouter notre œuf. Hop. Donc, rappel, 50 g d'œuf équivalent à peu près à un œuf moyen. Ouf. Où est ma serviette ? Alors ça, c'est le gros souci de mon studio. Je n'ai pas de lavabo pour me laver les mains. Je suis très frustrée. Chérie, ça ne va pas du tout. Il faut un lavabo. Mais bon, j'ai la salle de bain qui est juste à côté. Si j'ai besoin,
et puis du sopalin, ça fonctionne bien. Donc, on mélange le tout, on se retrouve avec un mélange un petit peu gélatineux, c'est normal, c'est le blanc de notre œuf, c'est exactement ce qu'on veut. Une fois qu'on a rajouté notre œuf, on utilise notre petite passoire et on verse notre farine avec la levure. Vous vous souvenez, on a mélangé la levure à l'intérieur pour qu'elle s'incorpore bien tout partout. Hop, on la met. On enlève le petit pot et on tamise et on essaie de ne pas en mettre partout sur le plan de travail. C'est pour ça qu'il faut souvent utiliser des saladiers un peu grands plutôt que des trop petits pour ne pas avoir ce souci. Et voilà, plus de petits grains et plus besoin du tamis, enfin de la passoire. Vient le moment du mélange. Et là, ce qui est trop cool, c'est qu'on s'en moque un peu. C'est une pâte à cookies, la pâte peut être très rustique. On n'a pas de souci de comment mélanger. Alors moi, je vous conseille, vous mélangez à partir du milieu, un peu comme quand on fait une pâte à crêpes. Et, je ne sais pas si vous voyez, on incorpore petit à petit la farine. Vous voyez, la farine, en fait, je ne mélange pas tout d'un coup. J'ajoute, je ne sais pas si c'est très clair, j'ajoute au fur et à mesure, en continuant de tourner, j'ai ma farine qui se pousse sur les côtés un peu, et au fur et à mesure, elle rentre dans mon appareil. Vous vous souvenez, appareil, c'est la préparation. Hop, et ça arrive petit à petit. Ça nous permet d'éviter les grumeaux. Néanmoins, la pâte à cookies étant quand même une pâte qui est assez ferme, c'est difficile de se retrouver avec des grumeaux dedans. Normalement, si vous la mélangez bien, il ne devrait pas du tout y avoir de grumeaux. Hop, voilà notre pâte à cookies est prête. Il n'y a pas encore les chocolats, mais vous avez déjà la base. Et ça, avec ça, vous vous faites des super sablés. C'est vraiment là que vous incorporez tout ce dont vous avez envie, hein, du chocolat, des noix, des fruits, du dain concassé, mais ça doit être trop bon, il faut que j'en fasse. Alors donc, chocolat, il y en a 150 grammes. Si vous voulez mettre d'autres choses, il faut remplacer une partie du chocolat, bien sûr. Hein, ne rajoutez pas en plus des 150 grammes de chocolat. Ne rajoutez pas du dain, des fruits, des noix, remplacez une partie des 150 grammes. Faites en sorte d'avoir 150 grammes de garniture. Déjà, 150 grammes de garniture, c'est généreux. Je suis assez généreuse dans mes recettes. Les gens vous le diront souvent. Mes cakes culettes, par exemple, il arrive souvent que vous ayez un peu plus de quantité lorsque vous regardez les préparations. Pourquoi ? C'est absolument pas pour gâcher. C'est parce que je ne veux pas que vous en manquiez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des gâteaux, des layer cakes. Les layer cakes, ce sont les gâteaux de cake design en couche, avec des biscuits, des garnitures à l'intérieur. Si vous commencez à vous lancer dans ce type de gâteau, ça prend déjà des heures à faire les préparations, les cuissons et tout. Si lors du montage, il vous manque 500 grammes de garniture, oh, l'horreur! C'est la cata. Souvent, en plus, on est dans le speed. On fait ça pour le soir ou pour le lendemain. Il vaut mieux prévoir. J'ai un petit article sur le planning. Je vous invite à le regarder si vous faites des layer cakes. Et donc, s'il vous manque de la préparation, c'est la cata. Ça m'est déjà arrivé. Alors là, oh, c'est la panique. On court, on pleure. La préparation, elle est chaude. Quand on met sur le gâteau, ça ne tient pas. Ça glisse. Il faut jouer avec le frigo, le congélateur. C'est l'horreur. Donc, c'est pour ça que souvent, dans mes cakes-culettes, je suis un peu plus généreuse. Mais il faut savoir que la plupart des préparations que je vous présente, elles se congèlent et elles se congèlent très bien. Donc, il vaut mieux en avoir trop, quitte à congeler, que pas assez et être en cata au moment du montage de votre gâteau. Il faut savoir que moi, je congèle pas très souvent parce que, en général, les préparations qui restent, on peut très bien les manger en dessert des repas, dans un yaourt ou du fromage blanc. Vous prenez même de la ganache au chocolat, c'est possible. Vous prenez votre ganache au chocolat, vous la faites un petit peu tiédir, vous rajoutez un fromage blanc dedans, vous mélangez, c'est trop bon. Un curd de fruits, il n'y a même pas besoin de faire chauffer. Oh, un curd de fruits avec du yaourt, c'est juste une tuerie. Vraiment, c'est des desserts très simples et c'est trop bien. Nous sommes donc avec notre pâte à cookies. Je vais arrêter de parler parce que j'ai ma levure qui a été incorporée et elle va commencer à travailler avant que je puisse même la mettre sur ma plaque. Donc, maintenant, on prend nos morceaux de chocolat et je plouffe. Tout simplement. Hop, on enlève ça. Et là, on mélange.
Est-ce que tout le monde va bien? Je suis désolée, je parle beaucoup, je monologue énormément. Je suis une grosse pipelette. Au cas où vous ne le saviez pas, eh bien voilà, la vérité, je suis une pipelette. Jérémy sera content de savoir qu'il n'est pas seul à partager cette information. Donc, est-ce que tout va bien? Le miel, ça change pas mal le goût d'après moi. Alors, si jamais vous voulez mettre du miel dans vos préparations, remplacer une partie du sucre par du miel, il faut savoir que le miel a un pouvoir sucrant de trois fois plus que le sucre. C'est-à-dire que si vous voulez remplacer une partie du sucre par du miel, il faut diviser cette partie que vous remplacez. Évitez de totalement remplacer le sucre. Hein. Faites toujours une seule partie, la moitié par exemple. Et cette moitié que vous remplacez, il faut diviser le poids du sucre par 3. Et c'est ça que vous aurez en poids pour votre miel. Ne mettez surtout pas exactement le même poids, sinon votre préparation sera beaucoup trop sucrée. Après, tout ce que je vous dis, c'est quand même un ressenti personnel. Alors, ce n'est pas que un ressenti, c'est quand même des choses que j'ai appris aussi lors de mes cours quand j'ai passé le CAP et quand j'ai fait des formations dans des ateliers. Je fais des écoles Lucas, c'était génial. J'ai appris plein de trucs et astuces là-bas. Oh, si vous avez l'occasion de pouvoir les faire, n'hésitez pas. Même vous prendre un petit atelier chez eux, pas besoin de faire une grosse formation, c'est super intéressant. Et donc voilà, tout ce que je vous dis, ce sont les techniques et astuces que j'ai appris dans mes formations, dans mes ateliers. Et c'est aussi souvent mon ressenti personnel. Après, chacun fait comme il veut. Je ne suis pas chez vous, je ne suis pas avec vous. Si vous voulez mettre autant de sucre que de miel, c'est pas moi qui vais venir vous disputer et vous dire « Dis donc, qu'est-ce que tu fais là ? Pouvoir sucrant, trois fois, gna 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 gna. » Vous faites comme vous en avez envie, il n'y a aucun souci. Moi, ce ne sont que des conseils, je n'oblige personne à rien du tout. La seule chose pour laquelle je peux être un petit peu embêtante, c'est la conservation. À savoir que je lis des choses sur Internet qui me font froid dans le dos. Quand je vois des gens qui me disent qu'ils font un gâteau sur 4 jours, ça, pas de souci, mais qu'ils le laissent pendant 4 jours à température ambiante, avec des crèmes dedans, des ganaches, voire de la chantilly, la cata, et qui font ça pour l'anniversaire de leur enfant. Une fois, j'ai eu ça, c'était pour un enfant de 4 ans, avec tous ses copains, et la maman a voulu faire un gâteau qu'elle a laissé 4 jours à température ambiante, et elle vivait en plus dans une île chaude, parce qu'elle m'a demandé comment elle fait pour que ça fonde pas trop. C'est non, 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 un gâteau, c'est au réfrigérateur. C'est vraiment, vous ne pouvez pas laisser 4 jours un gâteau dehors, c'est pas possible, c'est trop dangereux au niveau de l'intoxication alimentaire. Il y a une super, faut que j'arrête de mélanger, hein. Il y a une super émission là-dessus sur C'est pas sorcier, qui parle de ces risques d'intoxication alimentaire et de comment les bactéries se développent. Et c'est incroyable à la vitesse à laquelle ça va, ça se multiplie, c'est très 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 rapide. Donc, conservation au réfrigérateur toujours. Pareil, quand vous... Oh, je suis désolée, qu'est-ce que je parle? Mais c'est pas grave, je continue. C'est mon live, je fais ce que je veux. Quand vous faites décongeler quelque chose, que ce soit une pâtisserie, un gâteau, ou de la viande, du poisson, du pain, quoi que ce soit, on ne décongèle pas à température ambiante. On décongèle au réfrigérateur, à part si vous le faites cuire directement dans le four quand c'est décongelé. Mais sinon, quand vous faites décongeler de la viande, un gâteau, vous le mettez la veille au réfrigérateur pour qu'il décongèle doucement et que les bactéries ne se développent pas et n'explosent pas d'un coup. C'est très, très, très important. On a notre pâte à cookies qui est prête. 21h43. Oh, mais mon Dieu, trois quarts d'heure pour faire des cookies. Ça m'est jamais arrivé, je fais ça en 7 minutes d'habitude. À présent, on a notre plaque avec du papier sulfurisé. Est-ce qu'on a fait préchauffer le four, mon chéri ? Oui, super, je t'ai envoyé tout à l'heure. Alors, sur mon article des cookies, vous verrez que je vous ai fait des jolies petites boules rondes, parfaites, identiques et tout. Je suis très honnête, quand je vous ai fait ces petites boules pour l'article, j'étais tranquillou dans mon studio, j'avais ma petite balance, j'ai pesé ma pâte, je l'ai divisée en 16, vous vous souvenez, hein, on obtient 16 cookies au chocolat avec cette recette. Et donc, j'avais pu faire mes petites boules identiques. Si jamais vous voulez faire
une sweet table, vous voulez faire une jolie table pour un anniversaire, un baptême, un mariage ou quoi que ce soit, vous pouvez, si vous avez envie, vous amuser à peser votre pâte, à faire des petites boules parfaites pour avoir des petits cookies ronds de même taille équivalent. C'est super joli en préparation. Si, comme moi, vous faites des cookies toutes les semaines pour faire le goûter pour votre chérie, pour vos enfants, pour votre grand-mère, qu'importe, qui que ce soit, vous pouvez prendre une cuillère et hop, on fait des petits tas. On ne réfléchit pas. Il nous faut 16 cookies. Donc, je nous fais hop, 16 petits tas. Je fais, en général, je fais 4 lignes de 4 cookies. En sachant que hop, la première ligne, là, elle est bien. On pourra retravailler les, pâtes, les tas après. Ça, ce n'est pas grave du tout. Voilà, on nous fait nos petits tas. Et les petits tas en dessous, on les met en quinconce. Parce qu'un petit cookie, ça s'étale, ça gonfle, ça grossit. Donc, vous les mettez en quinconce, c'est-à-dire que vous les mettez entre les trous. Ouais, là, j'ai un peu étalé. Hop, voilà. Vous les mettez entre les trous à chaque fois. Et comme ça, quand ça va cuire, ça va être... super, ça va pouvoir s'étaler et pas toucher les autres. Tchouf. Donc là, vous voyez, vous ne vous embêtez pas. En mettez pas trop. Mettez pas trop au début pour être sûr d'avoir assez de pâte pour tous vos cookies. Pour rappel, 16 cookies, 4 lignes, 4 par ligne, 4 fois 4, 16. On aime bien les maths sur MyCake. Moi, je suis obligée d'aimer les maths, sinon je ne pourrais pas vous sortir des outils comme la calculette. Hein. J'en ai passé des semaines à la réfléchir à cette calculette. Mais je suis super contente parce que, en général, vous l'aimez et elle vous est super utile et c'est exactement le but que je recherchais. Parce que c'est vrai qu'au tout début, je recevais énormément de messages où les gens me disaient voilà, moi, mon moule, il fait tant sur tant sur tant, ça fait combien? Et donc, à chaque fois, je faisais les calculs moi-même, je perdais un temps de dingue. Et comme maintenant, je reçois des centaines de mails par jour et que je fais en sorte de tous y répondre, autant vous dire, ces calculs-là, j'ai clairement plus le temps de les faire. Donc, la calculette, pour ça, c'est le top. Hop, on continue nos petits pâtés. Chérie, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Je monologue, j'ai du mal à interagir en même temps. Il y aura une petite phase après où on va parler ensemble, si vous êtes toujours là, parce que je vois que l'heure avance. Et on aura une phase où on va parler, on va échanger. Vous pourrez me poser des questions ou juste me dire comment ça va bien. Tout va bien, chérie? Oui. Bon, bah, super. Ça me fait plaisir. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi un coucou. Dites-moi oui. Dites-moi la vie est belle. Dites-moi que tout va bien. Que vous... je ne vous ai pas endormi devant votre écran. Ce serait possible. Hein. Hop. Tout va bien. Nickel. La calculette, c'est la vie. Mais oui. Merci. Coucou. Ah, coucou, merci. Donc voilà, vous voyez, là, j'ai fait mes 16 petits tas. Maintenant, je peux prendre la pâte qui me reste et ajuster mes tas en conséquence, en fonction de lequel on a plus ou moins. Vérifier que tout le monde ait bien des petits morceaux de pépites de chocolat. Hop, et vous voyez, on continue. Hop là. Et on finit tout, surtout, on racle. On racle le fond. On ne perd pas de préparation. On en met partout. J'évite, quand je vous fais des montages vidéo, j'évite de vous montrer l'ensemble de ma vidéo de préparation parce que ça serait très, très long. Parce qu'en fait, dès que je prépare un truc, je racle tous mes pots. Ça dure une heure comme ça où je récupère le moindre petit gramme de préparation d'ingrédients. Et d'ailleurs, nous avons normalement parmi nous, nous avons Cassis Lib. Cassis Lib, c'est mon beau-frère. C'est le chéri de ma sœur Jennifer. Et c'est lui qui nous fait les montages de MyCake depuis la rentrée. Kevin, je ne saurais dire à quel point merci, à quel point tu m'aides au quotidien. Parce que bon sang, je mettais 2 jours et demi à chaque fois par semaine
à faire mes vidéos. Bon, peut-être pas 2 jours et demi. Maintenant, je devais en mettre 1 et demi. Et donc, ça me prenait un temps de dingue. Et lui, dont c'est le travail qui est professionnel, il m'a aidé. Et ça me permet de vous faire toujours plus d'articles. Ça me permet de prendre du temps pour vous proposer des lives. Avant, je n'aurais pas pu. J'aurais été là en train de travailler à faire mon montage. Donc, Kevin, merci, merci mille fois. Et Ninou, ma puce, ma grande sœur, merci mille fois d'avoir pris ce chéri que j'adore déjà de manière humaine, personnelle, mais alors en plus, la professionnelle, il est super. Ah oui, et si jamais vous ne l'avez pas vu, j'ai un e-book. Je vends un e-book de cupcake, mes recettes de cupcake préférées. Et si vous l'avez vu, vous avez dû voir les photos des cupcakes. C'est également Kevin qui nous les a faites. Elles sont absolument magnifiques. Moi-même, quand je vois ces cupcakes, je me dis, bon sang, ils ont l'air trop bons, j'aurais envie d'en manger. Jusqu'à ce que je me rappelle que c'est moi qui les ai faits. Bon, allez, on arrête de blablater. On va racler un peu tout ça. C'est incroyable comment je peux mettre autant de temps à faire des cookies, mais jamais je vais pouvoir vous présenter des recettes plus compliquées. Ça va me prendre 3 jours. C'est à chaque fois, je serai en train de faire autre chose. Bon, alors, je suis désolée. Je vais faire quelque chose que je fais tout le temps, mais que vous ne voyez absolument pas à la caméra, parce que je ne le montre pas. Je vais y aller avec les doigts. Hop. En même temps, comme je vous ai dit, des fois, on fait des boules à la main. Donc oui, je mets mes doigts. Mes doigts sont propres. J'ai lavé mes mains avant. Toujours se laver les mains avant de faire de la pâtisserie. Hein, ou de la cuisine, quoi que ce soit. Hop. Et voilà. Si jamais vous venez à faire des pâtes que vous avez besoin de malaxer ou quoi que ce soit, enlevez vos bagues. Enlevez les bagues, les montres et tout ça. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'il y a, moi, chérie ? Tu dois faire cuire ? Ah oui, je vais te les donner. Non, mais attends, attends. Je vais te les donner, tu vas les avoir. Là, on les remet jolis. Hop. Et là, j'ai fait une bêtise. J'ai léché mon doigt. On ne lèche pas ses doigts pendant la préparation, parce que sinon, on en met partout. Ça va, j'ai léché la main gauche. J'utilise la main droite. Hop. Et voilà, nous avons nos petites boules. Nos petits tas. Ce ne sont pas des boules, ce sont des tas. Mais vous savez quoi? Ça marche très bien et ça va s'étaler, s'aplatir. Et vous allez voir, une tuerie. Et maintenant, on met 10 minutes à 200 degrés Celsius en convection naturelle. Moi, chérie, merci. On t'a demandé pourquoi tu ne participes pas au meilleur pâtissier. Ah, pourquoi je ne participe pas à l'émission du meilleur pâtissier? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas le droit. Le meilleur pâtissier, c'est une émission qui est prévue pour les amateurs. Et je ne suis pas amateur, je suis professionnelle, je suis diplômée, j'ai mon CAP pâtissier. Je n'ai donc pas le droit de participer au meilleur pâtissier. D'un autre côté, j'adore regarder cette émission. On la regarde toutes les semaines avec ma fille. En plus, depuis cette année, j'en suis ravie. J'ai même eu la chance de rencontrer Mercotte une fois à un concours que je faisais au Salon du Chocolat. C'est une femme absolument charmante, vraiment adorable, sourire et tout. J'adore. En plus, c'est une blogueuse. Je ne pouvais que l'aimer. Et donc, on a parlé, mais voilà, je ne peux pas participer. Et en même temps, le stress des épreuves, comment ils speed et tout. Moi, j'adore prendre mon temps, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. J'adore prendre mon temps quand je pâtisse. J'aime bien être tranquille. En général, je mets même une petite musique en fond. Puis, je suis là tranquillement à faire ma popote, mes machins et tout. D'ailleurs, je me suis demandé, est-ce que j'allais ou pas mettre une musique de fond pendant le live? Je me suis dit... ça pourrait être sympa et tout. Et puis, à un moment, je me suis dit, je vais tout oublier. Je vais me mettre à chanter. Je vais plus du tout me concentrer. J'ai déjà du mal à me concentrer pour faire mes cookies. Donc, voilà. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait sympa d'avoir une petite musique de fond ou pas? En sachant que si je mets une musique du fond, je risque de me mettre à chanter dessus et à danser tout le temps. Hein. Mais donc, voilà. C'est pour ça que je ne peux pas participer au meilleur pâtissier. Mais comme je dis, je ne suis pas sûre d'avoir envie. Par contre, j'ai rencontré Jacqueline. Jacqueline, je ne sais plus quelle saison elle était. 6, je crois la 6. Jacqueline qui avait participé au meilleur pâtissier et qui s'avère être une de mes élèves à Cake Design Masterclass, la formation en ligne de Cake Design. Et alors là, c'était
trop bien. Enfin, déjà, j'ai été super surprise et on s'est mis à papoter toutes les deux. On s'est appelées et elle m'a raconté comment se passait l'émission et j'ai adoré parce que j'ai pu lui poser toutes les questions qu'on se pose en regardant cette émission en se disant c'est pas possible. Enfin, ils peuvent pas juste venir de découvrir l'épreuve et pouvoir nous sortir un truc comme ça. Comment ils font pour trouver les recettes? Mais comment il a prévu son planning là? Non, mais attends, moi il me faut déjà une demi-journée pour réfléchir à ce truc-là. Là, elle m'a tout raconté, elle m'a dit toutes les coulisses de l'émission. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un petit article dessus sur MyCake. N'hésitez pas à chercher Jacqueline, meilleure pâtissière, MyCake. Vous aurez vous aussi tous les petits secrets de l'émission. Nos cookies sont partis, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien dans les mains. Ils sont partis pour 10 minutes. Si vous avez bien suivi la même quantité d'ingrédients, que vous avez bien fait 16 cookies comme moi, donc ça veut dire qu'on aura la même taille. Vous les mettez 10 minutes et vous les sortez à 10 minutes. Vous allez voir, ils auront une tête peut-être un petit peu molle et tout. Vous pourrez vous dire, ah, ça manque de cuisson. Non, 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 non. Vous les sortez. Hein, mon chéri ? Je vous explique. Je suis allée chercher une fois Shana à l'école et j'avais lancé une fournée de cookies. Je m'étais mis un peu trop tard et donc j'étais à la bourre. Je lui dis, chérie, je te mets un minuteur, dans 10 minutes, c'est cuit, tu me sors du four, tu me les poses là à côté sur une grille et c'est bon, tu les laisses. Je reviens, je vois que les cookies sont toujours au four, je fais, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi tu les as pas sortis ? Il me dit, bah ça a sonné, je suis allée voir, c'était pas cuit à mon goût, je les ai relancés pour 10 minutes. Mais non ! Là, on s'est retrouvés avec des sablés. Alors, c'était très bon, mais ça s'effritait, c'était tout sec. Ça avait un bon goût, mais ce n'était pas des cookies. Parce que ce qu'on aime dans les cookies, c'est quand c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et là, c'était déception. J'étais obligée d'en refaire. Bon, les autres, on les a mangés quand même. Hein, avec un verre de lait, une tasse de thé, ça passe très, 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 très bien. Mais donc, si vous cuisez 10 minutes, j'ai ma voisine Christelle qui doit être en train de me regarder, qui a fait exactement la même chose, qui s'est dit ah, ça ne doit pas être cuit. Elle a eu le même souci. Donc, 10 minutes et on sort du four. Et vous verrez, alors oui, au début, ils seront mous, mais en prenant la température ambiante, le dessus va figer, va commencer à se sécher un peu. Et c'est là que nous allons avoir la croûte, croustillante tout autour et l'intérieur tout moelleux. Bon, j'ai fini de parler maintenant. Vous savez quoi ? Je vais vous laisser parler, puis surtout, je vais vous répondre et papoter un peu avec vous. Tu aurais dû faire de la radio, Jess. Ah, c'est gentil. Eh bien, pour être très honnête, j'ai été voix off avant de me lancer dans MyCake. Alors même initialement, je suis ingénieure en informatique. Ça n'a rien à voir. Sauf que vous vous rendez compte, toute la journée à papoter avec mon ordinateur, c'était très triste. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je parle avec des gens. Et donc, je me suis lancée dans la voix off. C'est mon chéri qui m'a poussée. Chéri, que je ne pourrais jamais assez remercier. C'est lui qui me pousse dans tout. Comme pour le live. Hein. Je vous l'ai raconté au début, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là à ce moment-là. Il m'en a parlé le week-end dernier. On était tous les deux. Il me parlait, il me disait, allez, ça serait bien de se lancer dans les lives sur MyCake. Et moi, je dis, ah, non, les lives, non. Trop de panique, je ne saurais pas quoi dire. Si je casse un œuf, si je tombe. C'est, ah non, je ne peux pas. Deux jours après, j'ai réfléchi et j'ai fait, bon, ok, d'accord. Mais ça marche toujours comme ça chez nous. Jéry me lance dans un nouveau projet, je fais, attends, trop de panique. Et puis après, je dors et puis après, je fais, ouais, mais c'est quand même une bonne idée, d'accord. Et ben voilà, ben là, c'est tout pareil. Et donc, il m'a fait ça avec la voix off. Je me suis lancée dans la voix off. J'ai fait des voix pour des publicités diverses et variées, pour des voitures, pour des supermarchés. J'ai même fait... Vous voyez l'émission, les Marseillais, les émissions de télé-réalité de ce genre-là, et ben, je me suis retrouvée à faire une publicité qui passait lors de ces émissions dans les coupures pub, qui était celle-ci. Tu te demandes si tu es cocu ? Alors envoie KOKU au 3608. Cocu, KOKU. Et là, quand vous enregistrez cette publicité, vous vous regardez, vous dites... C'est pas possible,
Déjà, cocu, K-O, K-U, pourquoi, pourquoi pas C-O, C-U? Puis là, l'ingénieur du son nous dit, bah, c'est plus percutant, K-O, K-U, ça donne envie de... Hop. Je fais, mais ça marche pas, ce genre de pub. Si, si, il paraît que ça marche très, très bien. Et bah, c'est drôle de faire ce genre de choses. Donc voilà, encore une fois, je suis partie de tout et de rien. Et donc, merci pour les compliments. Tu as une jolie voix. Merci, c'est gentil. ben voilà, ma voix, je l'ai travaillée. J'ai fait du chant aussi. Merci, papa. Je fais de la musique. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, le fait de parler, de communiquer, d'échanger. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon travail d'informaticienne ne me convenait plus. C'est, j'avais beau adorer la technique et développer des logiciels sur ordinateur, j'avais besoin d'échanger, j'avais besoin de partager, de parler. Et même si je ne parlais pas en direct, souvent je parlais par mail avec vous ou sur Facebook. Là, ce live, ça me fait du bien, même si je suis navrée. Encore une fois, je n'ai pas l'impression de faire un échange, j'ai l'impression de faire un monologue. Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que vous me dites? Dites-moi des choses. Bonsoir, avez-vous des recettes simplifiées pour les enfants des écoles maternelles avec des images? Oui, tout à fait. Les cookies. Les cookies, je pense que c'est la recette la plus simple, la plus pratique à faire avec des enfants. Et vous avez un article sur mon site www.mycake.fr. L'article, ça doit être cookie, je pense, tout simple. Mais je vous mettrai le lien. Enfin, vous cherchez cookie mycake, vous allez tomber sur mes recettes. Il y a toutes les images, pas à pas, pour faire cette recette. Et pour les enfants, c'est une recette super pratique. Est-ce que j'ai d'autres recettes simplifiées? En école, c'est pas facile, mais à la maison, oui, il y en a plein d'autres. À la maison, vous pouvez faire un gâteau yaourt, mais oui. Il y a la recette du gâteau yaourt qui est très, très simple et qui amuse énormément les enfants parce qu'on utilise un yaourt. Et je vous ai mis la recette sur mon site. C'est parfait avec des enfants, vraiment, pour un petit goûter, n'hésitez pas. Et puis, c'est très, très bon. Et en plus, on peut l'aromatiser comme on veut et on peut utiliser des yaourts. Les enfants, faites-leur avec leur yaourt préféré. Un yaourt. Excusez-moi. Ça fait beaucoup de temps que je parle. Je commence à perdre ma salive. Je vais boire après. Utilisez des yaourts aromatisés à la fraise, au citron, à la noix de coco. Ils vont adorer. Ça va sentir dans le gâteau yaourt. Ça va être trop, trop, trop bon. Chérie, n'hésite pas. Si tu as des commentaires que tu as vus... Vas-tu mettre en ligne des recettes de pâtes feuilletées? Oui, alors la pâte feuilletée, vous en avez déjà une. Alors, c'est la pâte feuilletée rapide que je vous ai mis en ligne et qui est super pratique parce qu'on peut la faire en 10 minutes si les conditions sont bonnes. Sinon, en une heure, c'est fait. Je vais très probablement par la suite faire une tarte au citron. Donc, je vais vous présenter sûrement la pâte sablée. Pâte sablée que vous devez d'ailleurs déjà avoir dans l'article du Number Cake, je pense. Oui, je pense que je vous ai fait une pâte sablée avec une crème diplomate à la vanille dans le number cake. Donc, n'hésitez pas, elle est dessus. Et il y aura d'autres pâtes par la suite. Alors, un jour, je vous ferai sûrement aussi la pâte levée feuilletée. Ça, c'est la pâte ultime en pâtisserie. C'est celle qui nous permet de faire les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin, tout ça. C'est probablement... une des préparations les plus complexes. Mais encore une fois, c'est complexe, c'est pas compliqué. Quand on a les bonnes techniques, les bonnes astuces, tout le monde peut y arriver. C'est vraiment le principe de MyCake, c'est pour ça que j'ai créé ce site, c'est pour qu'on puisse tous faire toutes les recettes. Il n'y a pas de seuls les pros peuvent le faire, il faut être l'élite ou quoi. Non, on peut tous pâtisser, on peut tous faire plaisir à nos proches. De chez nous, il n'y a pas de souci, il faut juste avoir les bonnes techniques, les bonnes astuces, les bons ingrédients et le bon matériel aussi, bien sûr. Mais tout le monde peut faire. Quels seraient les thèmes des prochains lives? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, le live, celui-ci, je l'ai prévu avant-hier. Et autant vous dire, depuis avant-hier, je n'ai pas réfléchi aux recettes que j'allais faire, mais plutôt à techniquement comment j'allais mettre ça en place. La caméra, les lumières, le logiciel, ça a l'air d'avoir... Non, c'est bon, je croyais que ça avait bugué. Le micro, le son,
Et puis, donc, j'ai choisi les cookies parce que c'était assez simple. Mais oh, regardez ce que nous apporte Jérémy. Hop, des tzout plats. T'assumes pas. Tu n'oses pas faire le tour. Tu ne veux pas te montrer, mon chéri. C'est parce que tu n'es pas maquillée. Donc, voilà nos cookies. Tu es parti avec les torchons. Je ne peux pas y toucher. Merci, chérie. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Voilà nos cookies. Alors, attendez, je vais juste me chercher une petite grille. Non, on n'a même pas besoin, en fait. Hop. On va les sortir comme ça sur le plan de travail. Ça, hop, ça vient derrière. Et ça, n'essaie pas de pas se brûler. Hop là. Et voilà. Ils ont été cuits que 10 minutes? Un petit peu plus, peut-être 11. 11 minutes, chérie. Je t'ai dit 10 minutes. Je voyais bien que la cuisson, elle était plus marquée que les autres. Regardez, d'habitude, mes cookies sont de cette couleur. Regardez là, ça va être chaud. C'est chaud, ça va. Ils sont plus marqués, vous voyez, une minute de différence. Ah, c'est chaud. Néanmoins, ça sera très très bon quand même. Ils seront juste plus croustillants et ils seront quand même moelleux à l'intérieur, ça se voit, oui. Oh, ça a l'air trop bon. Oh, ça sent bon. Oh là là, je ne sais pas si vous les faites en même temps. Dites-moi ça, je serais intéressée. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire les recettes avec moi? Si oui, je suis désolée, vous avez dû patienter pas mal entre chaque étape. Mais dites-moi, est-ce que vous faites la recette ou pas? Ou est-ce que juste vous regardez et vous êtes là pour me soutenir pour ce premier live? Vous êtes un binôme de choc. Hé hey, chérie, c'est nous. Et oui, il y a moi devant les caméras à blablater, mais My Cake, ce n'est pas que moi. C'est, vous voyez ma tête partout. Je suis un petit peu narcissique. Non, je vous jure, c'est pas ça. Mais My Cake, c'est Jessica et Jérémy. Sans Jérémy, il n'y aurait pas de My Cake. Sans Jérémy, My Cake serait peut-être un petit blog où j'écrirais des recettes comme ça, vite fait, à l'arrache. Mais Jérémy, c'est lui, la tête pensante. Pas pour les recettes, hein. Les recettes, c'est moi. Mais le côté technique, communication, réseaux sociaux et tout, Les outils, calculettes et tout ça, moi je les réfléchis, je fais les calculs de formules mathématiques, mais c'est lui qui les met en version informatique et tout. Donc sans Jérémy, pas de My Cake. My Cake, c'est Jessica et Jérémy, même si c'est ma tête que vous voyez tout le temps. Pardon. Tu sais, un jour, chérie, je vais te demander de venir faire le live avec moi. Hein. Alors, je regarde, mais je compte faire ta recette. Et je suis ravie. Mais oui, c'est vrai que vous pouvez vous faire en replay aussi par la suite. Il vaut mieux aller voir mon article que se refaire tout le replay pour faire les cookies. Hein, parce que c'est peut-être un petit peu long. Oh, bah oui, 22h07, une heure pour faire des cookies. Ça ne me sera jamais arrivé. Je pense que ça ne m'arrivera plus jamais. Mais allez, Jérémy, regarde Cassis. Il y a Kevin là, il te motive. Et Kevin, peut-être qu'un jour, toi aussi, je te demanderai à venir derrière. Et Jennifer aussi. Jennifer, c'est ma grande sœur. C'est une des personnes les plus importantes. Je vais pleurer. Il faut que je change de sujet. C'est une des personnes les plus importantes au monde pour moi. En ce moment, elle développe son entreprise de livres pour enfants, Isa et Ben, qui permet de partager les émotions des enfants. C'est un truc, c'est absolument génial. Je vous invite tous à aller voir ça. Ça s'appelle l'Odyssea. L'Odyssea.com, me semble-t-il, l'adresse du site. Il y a des livres pour enfants entre 5 et 11 ans, si je ne me trompe pas. En tout cas, moi, ma pitchoune de 6 ans, tous les jours, on lit ces histoires. On pleure, on rigole, on s'amuse. Elle en demande tout le temps. N'hésitez pas à aller voir. Et donc, toi aussi, ma puce, il est fort possible qu'un jour, je t'amène sur les lives avec moi. Une fois que j'aurai rodé un peu plus la machine. Et oui, et dire que les enfants en dormant doivent sentir les bonnes odeurs, c'est fort possible. Mais au moins, comme ça, ils feront de beaux rêves. Oh, j'imagine, j'espère qu'ils ne vont pas être réveillés par des petits monstres cookies qui viennent. Oh mon Dieu, mais non, ce seront des petits cookies avec des petits nœuds qui seront tout mignons. On va dire, ne vous inquiétez pas, on a le babyphone qui est juste à côté justement pour les entendre s'il y a un souci. Jusque-là, tout va bien. Touche du bois. Mes cookies sont moins colorés que les vôtres. Oui, comme je vous ai dit, Jérémy vient de les... Alors, est-ce qu'ils sont moins colorés que ceux-là? Normalement, ils devraient être à peu près de cette couleur. Là, ceux-là, Jérémy les a mis une minute de plus. En même temps, je suis un peu loin. Hop.
Je tends le bras. Là, c'est la couleur normale. Là, c'est la couleur avec une minute de plus. Vous voyez, ça va vite. Hein. Ça va vite et on a vite la différence. Si jamais vous trouvez que les vôtres ne sont pas assez cuits, n'hésitez pas, prolongez la cuisson. C'est, y a pas de, le but, c'est que de tester et d'adapter en fonction de votre matériel, en fonction de ce que vous utilisez, que ce soit la plaque, même vos ingrédients même, et votre four, à savoir que si vous avez un plus petit four que le mien, moi, il est assez grand, donc la chaleur se diffuse peut-être plus ou moins, enfin. Adaptez toujours les cuissons. C'est quelque chose que malheureusement, on ne peut pas dire de manière précise pour telle recette, c'est 30 minutes, point. Non, on ne peut pas tous le faire. Surtout que tous les fours ne règlent pas forcément bien leur thermostat. Si moi, je mets 200 sur mon four, vous n'aurez peut-être pas la même température avec 200 sur votre four. C'est difficile. Il faut vraiment ajuster. Les cookies, c'est tellement rapide, tellement simple, vous aurez le temps de retester la recette et d'en refaire et de voir en fonction de votre four combien de temps vous préférez les mettre. Hop. Merci pour ton site et partage tes recettes. J'ai trouvé un bon soutien et une bonne humeur. Tant mieux. N'hésitez pas si vous êtes membre de Facebook. Sur Facebook, nous avons un groupe qui s'appelle MyCake. Alors, il y a une page MyCake où je vous donne tous mes nouveaux articles et mes infos. Mais nous avons surtout une communauté, un groupe qui s'appelle MyCake. C'est quoi, chérie? Cake design, débutant, pâtisserie. Tout le monde est content. Je ne sais plus le nom. C'est un super groupe de soutien, d'entraide. On partage là-bas. Quand on poste un gâteau, si vous voulez la recette, vous la demandez, les membres vous la donneront avec grand plaisir. Il n'y a pas de publicité où on dit ah, « Regardez, j'ai fait un gâteau génial, mais recette, c'est secret. » Non, non, chez nous, il n'y a pas de secret. Si vous êtes dans notre groupe, on s'entraide, on s'aide. Vous avez une question, vous la posez, on répond. On a des modératrices qui sont en or, je crois avoir vu, d'ailleurs, les avoir vu passer au début. Hein. Marie-Paul, Marie-Annick et Justine, les filles. Vous savez à quel point je vous aime, à quel point vous êtes comme ça. Vraiment, donc n'hésitez pas, venez sur le groupe Facebook et venez partager avec nous toutes vos pâtisseries ou même juste regarder. Vous n'êtes pas obligé de participer, venez juste voir les gâteaux et puis vous régaler des yeux. Combien de temps peut-on conserver les cookies ? Combien de temps ? Oui, mais c'est vrai que j'avais d'autres choses à dire sur les cookies. Alors, les cookies... C'est de la pâtisserie faite maison, ce n'est pas industriel, il n'y a donc pas de conservateur dedans, donc c'est 48 heures. C'est 48 heures, nous avons des œufs à l'intérieur, donc on les garde 48 heures dans une boîte hermétique, non, pas du tout, dans une boîte métallique si possible et non hermétique, il faut que l'air passe, il ne faut surtout pas que ce soit hermétique, sinon ce sera tout mou, donc pas un Tupperware. Et vous mettez des feuilles de papier cuisson entre chaque étage, si vous ne pouvez pas faire une seule couche. Si vous voulez conserver la recette au réfrigérateur, vous pouvez les faire en avance, un jour en avance, pas plus, parce qu'il y a des œufs. Par contre, il faut garder la pâte crue. Vous prenez votre pâte, vous la formez en forme de boudin. Vous avez vu, elle se tient assez bien. Hein. Vous la mettez en forme de boudin, vous la mettez dans du film alimentaire, zou, au réfrigérateur, pendant 24 heures maximum. Et au moment où vous voulez les faire cuire, vous faites vos petits tronçons ou vos petites boules, comme vous voulez. Et vous faites cuire. Si vous voulez prévoir encore plus tôt, nous avons le congélateur. Pareil, on garde la pâte crue. Une fois cuite, faut pas mettre au réfrigérateur. Une fois cuite, ça se mange de toute façon. Hein. Même 48 heures, je ne vois pas comment on peut garder 48 heures à température ambiante. Là, je me retiens de ne pas les dévorer tellement ça sent bon. Surtout que je n'ai pas pris de dessert, j'ai envie d'en manger là. Ce sera tout à l'heure. Donc, au congélateur, je dirais 2 mois. Et là, le mieux, c'est que vous les mettez en petite forme de petites boules et vous les conservez comme ça dans un sachet congélation. Comment faire concrètement pour pas que les petites boules se collent dans le sachet? Vous prenez d'abord une plaque, vous mettez vos petites boules comme ça, vous les mettez au congélateur pendant 5 minutes, histoire qu'elles durcissent bien, voire un quart d'heure, pour être sûr de ne pas avoir de dégâts. Et au bout d'un quart d'heure, là, vous les mettez dans votre sachet congélation, vous fermez, vous gardez 2 mois maximum. Et pour la cuisson le lendemain,
c'est tellement rapide une pâte à cookies qu'en fait, je ne l'ai jamais congelée, je ne saurais pas vous dire exactement. Je pense que vous pouvez la cuire directement, mais peut-être pendant un quart d'heure. À la tester, à voir avec les yeux. Je vous dis, vous avez, alors, vous avez pas vu que la recette était rapide. Normalement, en 5 minutes, la recette, elle est faite. Hein. Il n'y a pas besoin d'une heure et quart. Oh là là, je parle. Faites-la au dernier moment, ne la congelez pas ou même ne la préparez pas en avance. Ce n'est pas nécessaire, faites-la vite. Deux petites astuces. Si votre cookie est trop sec, peut-être parce que vous l'avez trop fait cuire. Ah, mon chéri. Je sais que je te la ressortirai toute ta vie, hein, celle-là. Vous pouvez les mettre dans une boîte pas hermétique, quand même, faut pas exagérer, mais avec un petit morceau de pomme. L'humidité du fruit va permettre d'apporter un peu d'humidité à votre gâteau. Ça marche pour un peu tous les biscuits. Oui, c'est ça, c'est si c'est trop sec. Si, à l'inverse, c'est trop mou, alors vous les mettez dans une boîte, toujours pas hermétique, hein, toujours faut que ça laisse passer l'air, hein, c'est pas un Tupperware. Vous les mettez dans une boîte avec un morceau de sucre, des morceaux de sucre même, pour que ça attire pour que ça attire l'humidité. Vous pouvez même mettre du pain frais à l'intérieur. C'est un peu dommage, hein, il vaut mieux le manger le pain avec un bon fromage, mais si vous n'avez pas de morceau de sucre, vous pouvez mettre du pain frais et ça va absorber l'humidité, ça devrait assécher un peu vos gâteaux. Voilà pour les petites astuces. Dans une boîte en fer, oui, tout à fait. Hop. Alors. Qu'est-ce que... Vivement le déconfinement pour goûter tes cookies. Claire, ça marche. Pourquoi tu ne veux pas les faire? Fais-les avec ton petit loulou. Faites des cookies. T'as vu comment c'est simple. Il n'y a aucun souci. Vous les faites ensemble. Ça va lui faire plaisir. Il en mettra plein les mains. Ça sera très bien. Chérie, est-ce que tu vois d'autres commentaires, des questions? On me demande ce que pourrait être le prochain live. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez des idées de ce que vous aimeriez? La maison en pâte sablée. C'est compliqué pour un live, ça. C'est... Des biscuits de Noël, notamment des peluches. Une bûche de Noël, ça j'y pense, mais alors pas tout de suite. Mais je pense qu'en décembre, je vais nous faire un petit live, genre la semaine d'avant, Noël, où on se fera une petite bûche. Dites-moi si ça vous intéresse, une petite bûche de Noël, la semaine avant Noël. Comme ça, on se prépare. Ce qui est génial en plus, c'est qu'en général, quand on prépare une bûche, on peut la mettre au congèle, comme ça elle est prête, et on la ressort la semaine d'après. Ça peut être une bonne idée. Des macarons, j'y ai pensé aussi. J'y ai pensé, pourquoi pas faire un live sur les macarons, c'est possible aussi, c'est cette petite pâtisserie qui fait peur à tout le monde et qui en fait n'est pas si compliquée que ça, elle est complexe, il y a plein de petits trucs à savoir, vraiment il y en a beaucoup beaucoup, si vous avez vu mon article ou vu ma vidéo, vous le savez, mais c'est pas compliqué, franchement ça se gère les macarons, donc les débutants, n'hésitez pas. Lancez-vous, faites des macarons, c'est super bon les macarons. Et en plus, ça en jette. Quand vous sortez ça à vos invités, quand on pourra avoir des invités, hein, là, confinement, c'est un peu complexe. Quand vous aurez des invités, ils vous feront « Waouh !» Un cake ou nez, mais oui. Mais voilà une très bonne idée. Qui a sorti cette idée? C'est une très, très bonne idée. Le petit cake ou nez, le cake ou nez, c'est un... C'est un cake au chocolat qui est présenté par un des pâtissiers que j'adore, Philippe Conticini. Il y a plein de pâtissiers comme ça que j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que Conticini et Pierre Hermé, c'est quand même mes chouchous. Notamment parce qu'on les voit beaucoup dans les émissions des meilleurs pâtissiers, des rois du gâteau et tout. Frédéric Beau, bien sûr. Mais j'adore quand ils parlent. Enfin, ils sont généreux, ils sont... J'ai juste envie de leur faire des câlins quand ils parlent. Quand ils parlent, qu'ils donnent leurs astuces, ils donnent les petites techniques, c'est toujours pertinent, c'est bienveillant. J'ai juste envie de leur faire des câlins. Et avec le confinement, si un jour... pas le confinement, avec le Covid, si un jour je les rencontre, je pourrais même pas leur faire un bisou. Je suis trop triste. Un cake ou nez, c'est donc une très très bonne idée. Des cannelés. Coucou Stéphane! C'est mon cousin. Alors, le problème des cannelés, c'est qu'il faut les préparer 24 heures à l'avance parce que la pâte doit reposer. Après, rien ne m'empêche de préparer la pâte
et de vous en faire une fournée. Oh, ça doit être jouable. C'est pas bête. Quelle est la différence entre une pâte sablée et une pâte sucrée? Ah! Alors, pâte sablée, pâte sucrée, généralement, c'est vis-à-vis de la manière de traiter le beurre et le sucre. Souvent, dans la pâte sablée, on sable le beurre et le sucre, c'est-à-dire qu'on prend du beurre froid avec du sucre et on les frite comme ça. Ça nous fait une espèce de petite poudre jaune qui ressemble à du sable, d'où le terme pâte sablée. Une pâte sucrée, en général, on crème le beurre et le sucre. On utilise du beurre pommade et on crème le sucre à l'intérieur. Généralement, c'est ça la différence. Pour certains, il y a un changement dans les proportions d'ingrédients. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. On peut utiliser exactement les mêmes ingrédients, mais juste la technique de préparation est différente entre les deux. Dis donc, tu me sors des questions techniques là, chérie. Ça va, j'ai mon CAP. Une brioche. Une brioche, c'est une très belle idée. C'est une très belle idée, surtout que j'avais prévu de faire un article à ce sujet. Donc, une brioche, ça vous ferait plaisir que je vous présente ça. Pourquoi pas? Le souci éventuel de la brioche, c'est que va falloir que j'utilise mon robot, va falloir que ça pétrisse, ça va faire un bruit de tous les diables. Donc, va falloir prendre des boules de caisse hein, en même temps. Parce que je pense qu'avec mon micro, je risque. Ou alors peut-être que je cacherai le micro pour que vous puissiez l'avoir, mais c'est pas bête du tout. C'est une très très bonne idée. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci à tous d'être là. Vraiment, ça me fait super plaisir. Je suis super contente. Vous êtes encore quand même 250 alors que ça fait 1 heure et demie que je vous blablate. Je suis ravie. Merci beaucoup. Ça me touche. Je pense qu'on va bientôt saluer moi pour entendre. Ha ha ha. Coucou. Un kounyou. C'est bon le kounyou, ça. Une tarte au sucre. Mais oui, tout ça, c'est super. Je pense qu'on va s'arrêter là, mon chéri. Sinon, je pourrais passer la soirée avec vous. Hein. Comme vous l'avez vu, je ne tarie pas de blablater tout le temps. Hein. Je pourrais parler comme ça toute la nuit. Donc, je vais vous faire des gros bisous. Merci énormément de tous vos commentaires, du fait que vous soyez là, de tous vos gentils mots. Franchement, enfin, c'est juste adorable. Christelle des Madeleines, dis donc, tu as lu dans mon esprit. Mais Madeleine, c'est l'article qui sort la semaine prochaine sur MyCake. Donc, je ferai peut-être pas le live vu que ce sera l'article que j'aurai sorti la veille, mais vous aurez des madeleines la semaine prochaine, vous verrez. Et elles sont superbes, elles ont une belle bosse. Donc, d'ici là, je vous fais des méga bisous. Désolée de ne pouvoir partager les cookies. Désolée, Cartman, tu es trop loin pour que je te les transmette. Et puis, avec le confinement, on n'a pas le droit. Et bah, je vous fais encore des gros bisous. Merci à vous d'être là. Désolée pour les petites péripéties du début pour la mise en place. J'espère que le son et l'image étaient bonnes. J'espère que le débit a été malgré tous mes blablas. Et je vous fais des énormes bisous. Puis n'hésitez pas, la semaine prochaine, jeudi 21h, on se retrouve pour une prochaine recette. Je ne sais pas encore laquelle. Je vais y réfléchir maintenant que j'ai la technique qui est mise en place. Et de toute façon, je vous donnerai tous les ingrédients et tout le matériel en avant-première directement sur Facebook, par mail et sur la communauté de YouTube. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt.